Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku-Kawungia, qui a eu ce jeudi des B2B avec quelques chefs d'entreprise britanniques, chapeautés par Lord Popat, envoyé commercial du Premier ministre britannique, se réjouit des retombées qui ont sanctionné le premier forum économique Royaume-Uni, République démocratique du Congo. Le Royaume-Uni est disposé à pouvoir recevoir les produits made in Congo sur le sol britannique. La deuxième victoire, c'est que la série d'entreprises, au total 26 entreprises qui sont présentes à Kinshasa, eh bien, sont disposées à pouvoir intégrer l'environnement économique congolais. Maintenant, le message a été clair pour dire, on n'a plus besoin de commissionnaires, on n'a plus besoin d'intermédiaires, nous voulons un partenariat RDC, Royaume-Uni, gagnant-gagnant, avec la vision d'ouverture que le chef de l'État a toujours montré à la face du monde. C'est le lieu et le moment ici pour appeler les autres partenaires à travers le monde à venir intégrer l'environnement économique de la RDC parce que le potentiel que nous avons, nous voudrions le transformer en richesse. Et nous avons reçu l'invitation du Forum économique qui aura lieu à Londres au mois de juin. Très séduit par les opportunités qu'offre la République démocratique du Congo avec ses 100 millions de consommateurs, Lord Popat, envoyé commercial du Premier ministre britannique, a rassuré que désormais le Royaume-Uni va tisser des partenariats gagnant-gagnant avec la RDC, qui est la meilleure destination pour les investissements en Afrique. C'est vraiment un grand pas et votre prospérité sera aussi notre prospérité. Donc c'est gagnant-gagnant. Votre président a de grands projets pour travailler globalement dans de grands investissements et nous pouvons être vraiment un bon partenaire pour travailler ensemble. Signalons que les 26 CEO des grandes entreprises britanniques, le patronat congolais et les mandataires de certains établissements publics ont pris part à ce forum d'affaires.